son est une dédicace à Madame Pavrochko. Vous vous souvenez? Monsieur Diallo. Allez Madame Pavrochko, non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits Madame Pavrochko. Et vos gosses me kiffent Madame Pavrochko. Oui, 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 oui Madame Pavrochko. J'ai toujours autant d'inspi Madame Pavrochko. C'est pour mes gars sous weed Madame Pavrochko. Si vous voulez, on se tweet Madame Pavrochko. Et ça fait... Il revient sur vos écrans. Après plus de 2 mois sans jouer à Call of Duty Ghost, va-t-il se fail? Ah oui, très certainement. Va-t-il sortir une KOM? Certainement pas, mon gars. Parce que Monsieur Bidu et c'est une putain de grosse merde à Call of, tu me crois pas? Bah regarde la vidéo jusqu'au bout. Yo tout le monde, c'est Elite, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt bien les amis. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur Call of Duty Ghost. Donc ça fait déjà à peu près 2-3 mois que j'avais un média, mais j'ai toujours pas fait de vidéo sur Call of Duty Ghost. Pourquoi? Tout simplement parce que ce Call of me saoulait quelque peu. Et donc j'ai retrouvé un peu le goût, l'envie de jouer à Call of grâce au mode zone de largage, donc qui je le rappelle était encore présent, qui était déjà présent plutôt sur Call of Duty MW3. Donc je passe d'ailleurs une grosse dédicace à Mathéo qui m'a fait découvrir ce mode de jeu, qui m'a donné envie d'y rejouer un peu à ce Call of. Donc je te fais une grosse dédicace Mathéo que j'ai rencontré d'ailleurs sur Twitter et à qui je parle quasiment tous les jours. Donc grosse dédicace à lui. Alors, j'espère qu'on va pas tomber dans une game trop dure. Je crois qu'on est en infériorité numérique contre eux, donc on va bien se faire défoncer encore une fois de plus. Bon, c'est parti. Alors, profitez d'un soutien tactique aérien que la série médiation et les codes de reconnaissance. Ok, donc vous allez voir que par contre on joue sur un map très mort. Vous allez voir que j'ai pas des classes exceptionnelles, je dois avoir une M27. Une Remington R5 et une Honey Badger, il me semble. Donc voilà, je vous avoue que j'ai fait 2-3 parties, mais sinon ça fait plusieurs mois que je n'ai pas joué à Call of Duty Ghost, donc ça va être chaud cacao, pour utiliser une expression un peu ringarde, donc de faire une bonne perf, même si je n'en fais jamais, mais voilà, de faire une partie à 1 ratio minimum, ça va être plutôt dur sur ce mode de jeu. Donc aussi pourquoi j'ai pas fait de vidéo gaming depuis 2-3 semaines, tout simplement parce que ma clé USB était tombée en rade. C'était une clé USB, je m'en rappelle, enfin je dis toujours, d'ailleurs elle est dans mes mains, c'était une clé USB poisson rouge. Donc je jouais avec cette, enfin j'enregistrais mes gameplays sur cette clé USB, mais malheureusement elle est tombée en rade, donc du coup j'en ai racheté une nouvelle de 16 Go, contrairement à celle d'avant qui faisait 4 Go, et donc c'est une SanDisk tout simplement. 3, 2, 1... Go! C'est parti les amis, allez c'est parti. Donc on joue à M27 viseur thermique comme vous pouvez voir. Hop, hop, on va pas recharger parce que ça sert à rien. Hop. J'ai failli en toucher un, je crois que je l'ai touché mais j'ai pas dû le toucher assez. Oula, vas-y. Oh les gars, vous avez vu quand je suis pris là? Oh, le carton de la gueule. Ah vas-y, attends, je prends. Je vais prendre la Remington plutôt. Je vais pas prendre la M27 parce que c'est une map où c'est un jeu très nerveux. Et donc le temps de dégainer l'arme, la M27 qui est plutôt longue à se dégainer, comme il faut le dire, on va pas y arriver. Enfin, je vais pas y arriver plutôt. Donc, voilà. Et là, il y a les voisins qui l'avaient pas vu. Heureusement, c'est pour moi. J'ai pris le kill. Parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais celui qui était devant moi, il est passé sur le balcon sans voir le mec d'en face. Et là, moi aussi, j'ai un loupin. Voilà. Voilà, hop, le kill à travers les murs, c'est magnifique. Avec un niveau noobie extrême. Hop, noobie hardcore. Allez, c'est parti les amis. Donc moi je suis plutôt, vu que vous m'avez jamais vu jouer sur Call of, vraiment avec une bonne image pour ceux qui m'ont rejoint depuis l'aventure. J'ai fait un gameplay avec monsieur Juju357. Qui est d'ailleurs un ami très très proche. Je vais passer encore une fois à lui aussi une dédicace. Oh vas-y, c'était fait. Je suis plutôt... Pourquoi je fais pas des bonnes parties? Parce que j'ai plutôt un style de... Merde, oh je loupe l'échelle. J'ai plutôt un style de jeu plutôt... Enculé. Oh la vache. Parce que j'ai plutôt un style de jeu à courir tout le temps. Donc c'est-à-dire moi en fait, je pourrais pas faire de la compétition Call of. Parce que voilà, moi quand je suis sur Call of, je peux pas camper, je me fais chier si je campe. Donc du coup moi je rush tout le temps, je cours partout, et puis voilà, ça peut m'apporter peut-être des fois à faire des erreurs, ça peut m'amener à faire des erreurs, mais bon, là, je cours quand même sur Call of, je peux pas rester dans un coin campé, donc du coup je cours et ça m'amène bien souvent à faire des erreurs. Et voilà, et vous avez vu, et les gens, sérieux, je pouvais prendre 3 points d'avance sur mon score, putain, c'est pas possible ça. Avec le petit chargeur, là on est pas dur, un tout petit chargeur en plus, et je me suis trompé de bouton. Ah
un moment grand blanc là. Parce que j'attendais qu'il se prenne la grenade, en mode fuck, mais il ne l'a pas pris sa grenade. On va passer par là. Regardez la veilleur du monde. Non. Oh non. Ça se passe ou bien? Oh là là. Voilà là, fils de pute. Hop. Et voilà. Ils sont rigolos chez Calo. Regardez, ils me font spawner à côté des ennemis. Mais c'est pas possible, ils ont pas le droit. C'est voilà pourquoi j'aime pas ce Call of, tout simplement parce qu'il faut spawner des ennemis. On spawn à côté des ennemis, puis du coup automatiquement on se fait démonter la gueule à chaque fois. Ah putain, c'est dégueulasse. Voilà, ça y est, là je vais rager, bad. Voilà, hop, bien fait pour ta gueule. L'autre il joue à la smo, enfin c'est pas une smo sur Ghost, mais je sais plus le nom. Donc on va faire ça. Voilà, bien joué. Moi, je me félicite tout seul, je m'auto-félicite. Putain, saloperie, merde. Ah, bien fait pour ta gueule. Voilà, donc désolé, hein, je peux des fois avoir des petites sautes, des petits débordements d'humeur, hein, mais j'aime pas les campeurs, voilà, c'est tout. J'aime pas, je les aime pas. Alors, on va passer par là. On se la joue en mode James Bond. James Bond 007, c'est parti. Hop, et là, je vais me faire démonter la gueule. Hop, il y en a un qui doit prendre un colis. Deux. Oh non! Regarde à toi d'avoir regardé à quelqu'un. Regardez, c'est dégueulasse. Je leur tire dessus depuis 10 secondes au moins. C'est dégueulasse, les amis, sérieusement. Putain, ça me dégoûte, moi. Allez, on va arrêter de rager. Putain, même moi, je galère. Putain, voilà, je passe en négatif. Putain, 9-10. Oh, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Ah, oh, sérieux, ce calotte, les gens, je vous assure, il me fout la rage. Il me fout la rage, ce calotte, tellement les mains. Il est nul à chier, il est nul à chier. Voilà, regardez. Non, mais le mec, sérieux, regardez. Attends, on va rigoler. Il joue à la cassette, en fait. Regardez. Le mec, il y a même pas ma tête qui dépasse. Comment qu'il peut me tuer à travers un mur en béton, quoi. Putain, mais c'est vraiment abusé, ce jeu. On va passer par là. Bien fait. Double. Ah, j'ai fait une double en plus, il y a deux mecs. Bah cool, hein. Donnez-moi des doubles, j'en fais, j'en prends. J'accepte les doubles éliminations. Attention. On va essayer de pas se faire kill, de faire une série de 3. Là, on en a déjà fait deux. Deux en un. Allez, attention. Mais voilà, c'était sûr. Putain, avec leurs 3 pouces par en merde là. Ah, putain. Allez, c'est parti, on repart. Donc par contre, c'est des parties plutôt courtes, hein, en zone de largage, vous voyez, là, il manque plus que 500 points. Après, un peu moins maintenant, du coup, la partie, voilà, là, elle est presque finie, hein, d'ici 10 secondes, elle est presque finie. Allez, on avance, du coup, voilà, la partie est finie, voilà. Donc voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. On a perdu la partie très minablement. On perd la partie 1500 à 1580 à 7540, je crois, un truc du genre. Voilà. Donc on perd la partie bien minablement. Je fais une partie de merde. Bon, je fais du 11-12. C'est toujours ça, vous me direz. Parce qu'il y en a qui font des moins bons scores, mais bon voilà, je suis un peu déçu de mon score. C'était pas le but de faire des grosses pertes, de toute façon, et j'en fais jamais. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, vous pouvez la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, car on avance très très vite là en ce moment sur la chaîne au nombre d'abonnés, au nombre de vues. J'ai triplé presque mes nombres de vues ces deux derniers mois, donc c'est vraiment juste énorme, c'est juste, c'est magique. Donc voilà, c'est juste, encore une fois, magique. Donc vous pouvez également me rejoindre sur Facebook et Twitter et vous abonner pour suivre toutes mes nouvelles vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, peace, prenez soin de vous. Bullseye.